fifth generation Clio takes the best of the previous generations. Our approach was to have an exterior evolution and an interior revolution. With more quality, more sophistication. Niveau de qualité perçue et de richesse des matériaux, il y a beaucoup d'éléments nouveaux sur Clio qui les rend inédits dans ce segment. On a une surface supérieure de planche de beurre qui sera en moussé. On va avoir un bandeau et les panneaux de porte qui vont être aussi en soft, ainsi que les accoudoirs et la console, ce qui fait qu'au toucher, on a quelque chose de vraiment agréable. On se sent bien, on se sent vraiment comme dans un cocon. Dans l'intérieur de la nouvelle Clio, on a 8 ambiances inter différentes. Et en plus de ça, on a 2 packs colorés dans les sellettes et la base élevée vitesse. On a dessiné une planche de bord orientée vers le conducteur, plutôt aérienne. On a un principe d'aérateur traversant qui lui donne vraiment un effet de largeur maximale avec le totem en fait, qui vient au premier plan. L'idée, c'était de mettre en valeur toute la technologie de cet écran en créant vraiment une pièce emblématique à l'intérieur du véhicule. On est venu ajouter des ambiances lumineuses. Donc on a cette ligne très fine sur la console, une ligne en J, qui vient vraiment accompagner le côté orienté vers le conducteur. Dans cet intérieur Grivision, on a des parties contrastées, y compris dans la console. Et ce qui soulève visuellement cette console et donne l'impression d'une console flottante. Il y a un siège qu'on a essayé d'être le plus proche possible dans la structure, y compris dans cet appui-tête en forme de virgule, et aussi à l'arrière du siège avec une coque semi-souple. On a voulu apporter beaucoup de bien-être en fait, et de plaisir à bord, et aussi une sensation d'habitabilité perçue beaucoup plus grande. But we won't stop there because the new Clio incarnates also new technologies in terms of autonomous driving, electrification and connectivity. So it really becomes, in a sense, the pioneer for a new generation of Renaults.